On passe devant une ruelle, c'est toutes des fleurs, ça sent tellement bon les odeurs, là, c'est de toute beauté. Belle petite rue, c'est super charmant la Colombie. Hein, Réo? Accompli notre mission aujourd'hui, on a de l'internet et je m'en vais me faire tatouer! Ouais, parce qu'on a eu un Patreon qui s'est abonné à notre plus grosse catégorie, donc ça veut dire que Patrice doit se faire tatouer le prénom de cette personne. Exact, je m'en vais faire ça. Donc Patrice va se faire tatouer Patricia! Vous allez voir où, on vous le dit pas là, sur quelle partie de mon corps. Ça s'en vient tantôt son rendez-vous. Cheers! Cheers gang! Merci Pat! Oh wow! Il vient de sortir du salon de tatouage, promesse tenue, là, il est emballé, il va se reposer avant de le laver tantôt. Je suis vraiment content d'avoir le nom de ma soeur tatoué sur mon bras parce qu'elle est toujours là pour m'appuyer dans mes niaiseries, dans mes folies, dans l'accomplissement de mes rêves. Elle m'encourage toujours, même si on est loin, on se voit pas souvent. Puis elle est là, présente tout le temps. Là, je vais l'avoir à jamais tatoué sur mon corps. C'est malade. Salut mon frère, je voulais juste te dire à quel point que je t'aime, que je m'ennuie au bout, mais que je le sais que t'es tellement heureux, que je suis contente pour toi, mais j'ai vraiment hâte d'aller te voir. Je t'embrasse puis je t'aime de tout mon cœur. On attend Jay, on est rendu au quai de la marina, il s'en vient nous chercher, beau coucher de soleil, mon tatou sur le bras. Le tatou dans le fond, ce qu'il représente, c'est comme une nuit étoilée, des constellations. Quand je navigue la nuit, j'adore ça. Je regarde les étoiles, je suis dans mes pensées. Fait que d'avoir le nom de ma sœur tatoué sur un moment que j'aime en mer, ça va être super représentatif quand je vais le regarder, tu sais. Puis ça, c'est jusqu'à ma mort, je vois ça sur le corps, là. C'est spécial parce qu'on parlait de ça, moi, Véro. Dans chaque pays qu'on fait, il y a toujours quelque chose de significatif rattaché à ce pays-là. Puis ici, ben, ça va être le tatou de ma sœur à Cartagène. Un beau moment qu'on passe à Cartagena. J'adore me réveiller sans alarme et regarder par le trou magique de ma chambre. Il est magique parce que chaque fois, il me permet de regarder un décor différent. Le ciel n'est jamais pareil, tout dépendant de l'heure de la journée et la météo. Puis il y a aussi nos voisins bateaux dans le mouillage qui changent constamment. Bien sûr, le paysage varie énormément d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que tu nous prépares, Jay? Pas de crêpes aux bananes plantains. Wow! Tellement bonne tes crêpes! Mais hein, puis après ça, c'est le meilleur bout de la journée. Je donne des coups de pied à l'infofoune à Véro juste pour le job. Mas platano! Ça est bon ça? Mais hein. Et voilà! Elle a l'air bonne! On aime bien Cartagène jusqu'à maintenant parce que c'est facile d'accès. On se sent en sécurité ici, même si on est à l'ancre. Il y a plusieurs voiliers à l'ancre, comme nous. Il n'y a eu aucun incident. Puis si tu lèves ton dinghy de l'eau la nuit, il n'y a aucun problème. On se sent bien. La Coast Guard n'est pas venue nous visiter, pas une fois. Donc,
On est content. La cohabitation avec Jay, ça va super bien. C'est tellement une personne facile à vivre avec. Elle porte du positif dans le bateau. Tu sais, là, on est un chiffre pair, hein, on est quatre. Donc, c'est cool parce que, mettons que Pat et moi, on écoute un film, ben souvent, Jay et Amy écoutent un film, tu sais, on est deux-deux. Fait que c'est cool. Amy, elle aime bien Jay. Manger santé puis s'entraîner à tous les jours, ça fait partie de sa vie, ça fait des années. Donc, il nous influence positivement avec ses bonnes habitudes. On a même commencé le gym ici à Carthagène. Pat, il va nous porter en dinghy. Après ça, on a nos vélos qui sont à terre. On va jusqu'au gym. Un gros gym quand même, là, comme un gym du Québec. Puis c'est le fun, on s'entraîne. Après ça, on revient, on se fait des petits walks. Donc aujourd'hui, on va vous montrer une journée typique à Carthagène. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées quand on n'est pas en train d'explorer. Fait que, on s'en va au gym dans pas très long. Puis j'ai aussi un rendez-vous chez le dentiste. Après le gym, souvent les gens ils nous posent des questions côté médical, côté rendez-vous, dentiste, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas facile, on prend des rendez-vous dans les pays où on est, puis on a accès à des soins partout dans le monde. Là. C'est facile, honnêtement, c'est vraiment facile. C'est des bons soins. C'est parti! Merci! Bon gym! Bye! Bye, Wendy! Le gym, ça a bien été. Le rendez-vous au dentiste, c'est fait. Je retourne au bateau. Bon, on a ici Patrice qui fait du montage vidéo. Stop recording! Bloopers! Pourquoi on niaise avec stop recording? C'est parce qu'une de nos GoPro, le piton pour faire play ou stop, fonctionne plus. Donc, on a mis la commande vocale. Comme ça, on dit stop recording ou start recording pour qu'elle fonctionne ou arrête. Mais des fois, elle écoute pas pantoute, il faut se répéter plein de fois qu'on riait de ça parce que Pat vient de préparer les bloopers puis on était crampés. On a Wendy qui essaie de monter. On a maman qui corrige la mathématique. On a Amy qui fait de la maths. Et moi qui essaie de comprendre. On a mon deuxième élève, Jay, qui essaie de comprendre. T'es rendu où, Amy, dans ton Duolingo? Bon, ben, moi, je suis rendue pas mal loin. Puis vous vous demandez c'est quoi Duolingo? Ben, c'est une application où on peut apprendre des langues. Puis moi, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Même si je suis déjà bilingue en français et en anglais, je pensais que l'espagnol, ce serait fun à apprendre. Puis je l'apprends aussi avec maman, Jay, même Martine, puis on est des amis. Puis là, on se motive. Fait que dans le jeu, t'as des HP avec des niveaux. Fait que là, maintenant qu'on voit que Martine, elle nous a battu, ben là, ça nous motive à la rebattre. Ouais. Après ça, on s'écrit puis on est comme « Ah, je t'ai battu! » Puis là, on se remotive et tout, puis c'est vraiment fun. C'est le fun en gang. Oui, oui. C'est ça, à chaque soir, on est tout le temps les trois en train de faire du Duolingo. Ouais. Ouais, c'est notre moment. Okay, bon apprentissage, Amy! Wow! Quoi, deux jours, tu veux une crème à glace? Ouais. On aime tellement le quartier, là. Tu pourrais venir à tous les jours.
voir une différente section du quartier, puis t'en auras à voir là, pour une semaine. C'est magnifique. Oui, vraiment beau. Toute beauté. S'en est faire aujourd'hui, Véronique? S'en est faire tatouer notre géolocalisation de notre lieu de rencontre en Thaïlande, l'Hôtel Rose. Quand Patrice est venu cogner à notre porte, là, c'est là qu'on s'est rencontrés. On a fait les éléphants ensemble, puis ça l'a mené à Atypique, le projet Atypique. C'est là que tout le projet émergé. Puis on tenait à se faire tatouer le voilier Atypique, parce que oui, on s'en va le vendre au Panama, mais Atypique va toujours rester gravé dans nos cœurs, comme étant le premier bateau qui nous a permis de réaliser notre rêve de faire le tour du monde. Et c'est un bateau super important pour nous, on veut l'avoir marqué sur notre corps. Round your finger, dizzy from being spun, hung on every word. Every single one. So this is love for na na. Promise to say you oh, na na na. Have all bad days on oh, na na na. I'm hard to love but oh, na na na. God knows I need you na na na. And when push comes to shove, forever is never enough. When I'm with you and don't fall apart, you make me feel like I. Par pays que je visitais avant. Donc, j'en ai un de la Thaïlande, j'en ai un du Costa Rica. J'ai mon premier tatou qui est sur mon pied du Québec. Là, ce tatou-là va résumer notre dernier 2 ans dans les Caraïbes, à bord d'Atypique, notre premier voilier qui nous a permis de faire ce voyage-là, de se libérer, de partir à l'aventure. On n'est pas un couple, mais on va avoir le même tatou. Donc, ça en dit long. En fait, on se fait souvent poser des questions. Comment ça, vous n'êtes pas un couple? Parce que notre définition de couple est probablement différente des autres. On est des binômes de vie, des binômes amoureux, comme en plongée. Puis, on s'aime à mort, puis on ne se verrait pas un sans l'autre. Mais on n'est pas un couple, puis parce qu'on veut rester libre ensemble. Voilà. C'est pour ça. Fini! Ta-da! Beautiful! Elle n'a même pas pleuré! Mais non, j'aime ça me faire tatouer. C'est pas un endroit non plus qui fait très très mal, là. Comparé aux pieds par exemple. Et ça a bien été. Ça a pris quand même 2 heures. Et là, c'est le tour à Patrice. Yes! We've gone through life, we've got it hard, and we just need one restart. Just tell me you love me, forever is never enough. Just tell me you love me, forever never enough.
On est de retour à la marina avec nos tatous! Jay va venir nous chercher. Si vous venez à Carthagène et vous voulez vous faire faire un tatou, venez à Ink Lover Studio Tattoo. C'est vraiment des bonnes personnes. Service impeccable pour vrai, ils te rassurent. Ils prennent le temps nécessaire pour que tu sois à l'aise. Tu sais, le tatou c'est quand même permanent, là. Fait que, ouais. Ils savent très bien, puis ils sont vraiment gentils. Ouais, on est bien satisfaits. Très vraiment contents. Comme vous avez vu dans les épisodes précédents, notre ami Jay a tout perdu en échouant son bateau sur la côte colombienne. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont donné sur son GoFundMe. Vous êtes des anges pour lui. N'hésitez pas à partager son histoire en grand nombre. Hey, hi! Attends, non, je vais faire ça. Comment? Je vais parler de sexe. Je vais faire des pets. C'est ce que je fais de mieux. Ok, chat, là, je vais pas le faire sa fois. Allez, recommence en un, vite, ça! Vite, vite! Oh non, je suis trop stressé! Ah, destruction! Choke! C'est ça! On aime bien Carthagène jusqu'à maintenant. On a. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous montrer, ce qu'on fait depuis. Il y a beaucoup de passants. À cause qu'il est tellement. Et pour lui, s'entraîner à tous les jours, ça fait. Puis bien manger sans. C'est quoi le nom? Ink. Ink tattoo. Vraiment 5 sur 5. 5 étoiles sur 5. Ouais. 5 sur 5. J'aimerais prendre l'occasion de tous vous remercier d'être là semaine après semaine. Vous faites une énorme différence dans ce projet. N'hésitez pas à nous raconter votre rêve dans les commentaires et nous dire ce que vous avez fait pour lui aujourd'hui. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à notre nouveau Patreon cette semaine qui est Fernando Vaquez. Merci! La semaine prochaine, on doit se rendre à l'hôpital pour la première fois durant notre voyage et on découvre toutes sortes de mets locales de rue. À la prochaine! Bonjour tout le monde! J'espère que vous passez une belle semaine! Ah, pauvre bébé, t'es ok. Mais maman! Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? On dirait que j'ai des bulles dans le ventre! Et j'aimerais avoir vos commentaires à savoir comment vous faites pour arrêter le hockey. Allez, à la prochaine tout le monde. Ouais! Un énorme merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille et Patricia des distributions D-Hébert pour notre dinghy caribé. Si vous aimeriez faire partie du projet Sailing Atypique, vous aussi, écrivez-nous!